Ouais. Ouais, non. C'est pas bon ça. Des blancs comme ça, faut toujours se méfier, faut toujours ralentir avant parce que t'as toujours un mec à droite qui se dit putain c'est bon je peux m'insérer là, et au dernier moment sans clignotant sans rien, je te mets un coup de volant. Normalement ça passe, normalement ça pace. Bon allez, on va bouger ou on bouge ou on ne bouge pas. Allez, on va bouger, on va voir s'il y a du ah là, regarde putain, le mec il me voit en plus hein, et il se dit pas je vais le laisser passer ou non, le mec il s'engage quand même hein. C'est normal. Piège grave. Je vais t'apprendre la loi du talion. Donnant, dent pour dent, œil pour œil. Bon, je sais que c'est pas bien ça, mais faut pas le faire. Hein. Je le fais parce qu'on est vraiment en période de merde en ce moment. Et que si j'étais voilà, comme là, c'est un. Alors là, t'as pas intérêt de planter, mon pote. Mais alors, pas du tout. Sinon, tu restes kéblo sur le. Tu restes kéblo sur le rond-point. Donc ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est de faire... l'extérieur. Ah, putain. Ah, t'es un bon, toi. Mais lui, putain, il m'a fait flipper ce con, j'ai cru qu'il allait faire demi-tour là. Ah, j'ai vu, il prenait son élan. Il prenait l'élan sur son volant là. Oh, j'ai dit, allez, encore un connard. Ah ouais, je suis désolé hein, de dire que les gens sur Paris, c'est des cons. En fait, les personnes venant bosser sur Paris, bon, ça... on les connaît, hein. Mais les Parisiens, tu vois, c'est vraiment des connards. Alors lui, il voit qu'il y a des voitures de l'autre sens, mais c'est pas grave, je crame quand même. C'est pas grave. Ah ouais. Ah, il est bon. Il est bon. Putain, les gens ils m'entendent gueuler là dans le casque, ils disent putain ce mec c'est vraiment un jobard. Putain, je vais m'aventurer je ne sais où moi. Voilà. Merci, bonjour enculé. Bah ben ouais, les mecs ils disent même pas bonjour, c'est... c'est le motard parisien quoi. En fait le motard parisien c'est un gros con. Putain, sévère les mecs, sévère.
génial. On va dire si, dis merci, enculé. Ah, je te jure. Merci. Méfiance, méfiance. Non, si tu me racontes. 14h30, c'est pas possible. Attends, il était fou quoi. Il est plus tard que ça. T'es fou, mais t'es fou. En fait, il y en a tellement que tu sais même pas d'où c'est que ça arrive. C'est vrai, hein. Story. Ok, je suis derrière toi, hein. Angle mort. Angle mort. Oh, ça m'énerve les mecs là, comme ça, qui prennent des couloirs de bus, tu vois. Je rentre pas du tout dans le système là. Je reste à gauche. Après, ils font leur vie. Hein. À Paris, c'est des spécialistes. Hein. Tu prends les couloirs, tu te fais niquer au bout là. Alors, tu prends 90, 135 euros, pardon, pas 90 euros.
Et généralement, quand tu restes à gauche, tu vas me dire, ouais, c'est ouais, doublement par la gauche. Non, bah justement, doublement par la gauche, et pas doublement par la droite. Tu tombes sur un flic, un connard, il veut te faire chier, il te fait doublement par la droite et couloir de bus. T'as la totale. Alors que quand tu doubles à gauche, généralement, à 90%, ils te mettent jamais une ligne blanche. Faut vraiment que ça soit flagrant, tu la coupes et puis tu te gares de l'autre côté, quoi. Mais quand tu doubles comme ça, généralement, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois. Tu respectes, quoi, tu restes à gauche, quoi. Je connais pas la priorité. Donc tu vois là, je vais le niquer sur la droite. Je prends le couloir. Et je prends à gauche. C'est pas pas de soucis, quoi. La Besbar, la Bermès, mec. Putain. Ouais, t'as un bon, toi.